en live et en vidéo cet après-midi. On a le plaisir d'avoir avec nous Aliel. Salut Aliel. Comment ça va? Ça va très bien et toi, les amis? Tout va bien. Eh ben merci d'être avec nous en tout cas quelques minutes. On va évidemment parler de ton dernier single qu'on vous fait découvrir en ce moment. Il s'appelle Ce qui nous rend fou. Avant ça, on va revenir un petit peu en arrière. T'as fait The Voice il y a quelques années. C'était il y a 2-3 ans, je me trompe pas, c'est ça? C'était la saison 7. C'était la saison 7 de The Voice. Très 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 belle expérience. Ouais, alors j'ai lu sur internet qu'au départ, tu avais refusé d'aller à The Voice. Oui, il est vrai. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et ben en fait, j'étais déjà pris dans des chiffres et des lettres, donc ça tombait au même moment et vous pouvez pas faire en même temps. Non, c'est je sais pas, au début au début ça me disait pas grand-chose. Bien sûr, il y avait une volonté de ma part de le faire, mais après on va dire avec les gens qu'on côtoie au quotidien, il y avait une partie qui était pour, une autre partie qui était vraiment contre. Et donc les deux fois où on m'a appelé, j'ai pas donné suite, mais la troisième fois, je me suis dit quand même, on t'appelle trois années d'affilée, il va bien falloir qu'au bout d'un moment tu fasses quelque chose quoi. Donc du coup, la troisième fois, j'ai dit oui. Si, allez, bon, finalement tu regrettes pas d'être passé par The Voice? Exactement, je regrette pas du tout. C'est ce qui m'a permis après ensuite de dérouler et de commencer, on va dire. Alors après ça, t'as bossé donc sur plusieurs titres. Ton premier single, c'est celui-là, c'est Encore. Tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts, mais tout se répète encore. Et puis donc le plus récent, le dernier, Ce qui nous rend fouf. Ce qui nous rend fou, qui fout le doute, à coup de pourquoi, ce truc de fou. C'est quoi les différents messages que tu fais passer, que tu veux faire passer dans tes textes? Eh ben écoute, moi tu vois, je parle souvent, très très souvent de, en tout cas sur ces deux chansons là, de la vie quotidienne et puis de la confiance en soi, la confiance qu'on a soi-même. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des fois où on n'est pas toujours sûr de soi à 100%, mais faut vraiment se rendre compte qu'on a les capacités de tout faire et de le faire vraiment très très bien. Le message d'encore, eh ben, si tu veux, c'est quelque chose qui parle de la vie de tous les jours, qu'on est obligé de recommencer toutes les mêmes choses. On a tous envie de faire d'autres choses, on va dire, au quotidien, et on y arrive, on y arrivera. Mais ça passe justement par toutes ces choses-là qui se répètent encore, et on s'en rend compte en fait que ces choses qui se répètent encore, c'est les bonnes choses, c'est les choses dont on a besoin. Et après, on arrivera bien évidemment à aller là où on veut aller. Et ce qui nous rend fou, c'est vraiment... Ça me parle, on va dire, vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre, que tout le monde peut vivre au quotidien. On a tous des rêves, on a tous envie de faire des choses, et des fois on voit le temps qui passe, on travaille dur, on se dit purée, quand est-ce que ça va arriver, ou des fois on n'avait peut-être même pas le courage, tu vois, de faire ces choses-là. On est retenu par une espèce de petite peur, mais on a ce petit côté en nous, on a cette petite explosion des fois qui nous fait faire dépasser cette peur, et grâce à ça, on arrive à faire, et c'est justement ce petit truc qui nous rend fou, qui arrive à nous faire justement toutes les choses qu'on voulait faire. Alors, juste en parenthèse, j'entends que t'es dans ta voiture là sous la pluie, t'es où exactement en fait là? Alors écoute, là en ce moment je suis en mode attente. J'ai déposé quelqu'un à un rendez-vous, donc je suis dans la voiture, je suis tranquille, je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve, mais il pleut, donc ça me fait une belle caisse de résonance. Ah ben ouais. Là, ça se calme, on est bon. Bon, en tout cas, si je me trompe pas, t'as passé également un petit peu de temps aux États-Unis pour trouver tes différents sons, c'est ça? Ouais, bien sûr. Alors j'y ai passé, j'y passe et je vais y passer. C'est vraiment pour moi l'endroit où je veux faire de la musique, où j'aime faire la musique, et c'est là-bas vraiment qui pour moi est la place au niveau musique, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a tout, hein, musicalement parlant là-bas. Est-ce que tu aimerais peut-être par la suite pouvoir t'exporter ou pouvoir faire des petits concerts là-bas dans les bars à New York par exemple? Rêvons un peu. Eh ben écoute, même plus que ça, ouais. Plus que ça, oui. Ouais. Déjà j'ai eu fait dans les bars, dans les piano bars. J'ai été pas mal de temps là-bas, à Manhattan, Brooklyn, toujours à New York. Et oui, pourquoi pas, bien évidemment, c'est le but, s'exporter, faire vraiment quelque chose de bien. Alors niveau sonorité, c'est vrai que t'en parlais, je trouve sur le titre, ce qui nous rend fou, c'est encore plus pop et encore plus catchy qu'encore. C'est ça. C'est pas la même chose en fait. Là, on est parti sur... En fait, on essaye, je vais te dire, si j'emmène mon univers tout de suite, ça peut faire peur.
entre guillemets, parce que moi je suis grandi dans tout ce qui est soul, jazz, R&B. Quand je dis peur, c'est-à-dire les gens, ils vont pas peut-être tout de suite comprendre. Donc on essaye fur et à mesure avec des super bons sons qu'on arrive à avoir. D'ailleurs, les équipes avec lesquelles je travaille sont excellentes. Et on emmène tout doucement cet univers, tout doucement, jusqu'à arriver après à vraiment trouver le compromis parfait entre tout ce qui est pop. Et puis surtout dans mon album, je vais pouvoir m'éclater et vraiment envoyer toutes les sonorités. Et les gens, ils vont vraiment kiffer, quoi. Alors les deux premiers singles sont là. L'album, lui, est-ce qu'il est prêt ? L'album, on va dire, on est à peu près à 70-75%, mais il sera prêt dans d'ici peu. D'accord. Est-ce que tu peux déjà nous donner... Par contre, là, je n'ai pas longtemps. Ouais, tu peux nous donner quelques infos sur la sortie. J'avais vu à l'automne. Est-ce qu'on a un peu plus de... Parce que du coup, l'automne, c'est arrivé. On est à l'automne. Est-ce que tu as plus de précision, du coup ? Eh ben, écoute, je pense qu'on va se tabler sur... On va se tabler, je pense, sur fin d'année, début d'année maximum. Quand j'ai début d'année, c'est janvier. Mais je pense qu'il y a un bel album qui va arriver. Parfait. Des duos dessus, des featuring ou tu fais tout en solo pour l'instant ? Bah écoute, je peux pas te dire. Ah. Je peux pas te dire encore maintenant. Bon. Mais c'est possible. Possible. Je peux pas te dire. Et bah du coup, on va surveiller ça avec attention. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, redonne-nous tiens le nom des comptes. Allez l'officiel, allez checker, allez voir. On fait plein de stories tous les jours, plein de covers, plein de trucs super sympas. Donc venez, mes amis, et on passe vraiment des très bons moments ensemble. D'ailleurs, j'appelle tous mes abonnés tous les soirs pour être sûr qu'on passe un bon moment. On est vraiment très proches. Donc venez directement, c'est un kiff. Voilà, Facebook, Instagram et YouTube également, puisque les clips sont dispo sur ta chaîne YouTube aussi. Exactement. Aliel, pour conclure en 30 secondes, je te laisse la parole. Tu peux dire tout ce que tu veux à toutes les personnes qui aiment ce que tu fais, évidemment, et à tous tes fans lorrains qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Eh ben, écoute, j'ai qu'une seule chose à dire. Ça va être un peu catchy, mais c'est merci. Merci pour ce que vous faites, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci de m'écouter, merci de me donner la chance de pouvoir faire ce que je fais et de pouvoir continuer à vouloir faire et encore plus. Merci à vous et merci, voilà, simplement merci. Et du soleil. Et du soleil, ouais, c'est là. Et bah parfait, merci Aliel d'avoir été avec nous cet après-midi. Et bah voilà, exactement. À bientôt Aliel, merci. Mais à toi, je t'en prie. Ciao. Bonne après-midi.